Salut les amis, aujourd'hui je vais espionner la nouvelle boss Reine Cube. Et je vais aussi essayer de la libérer de son bouclier de protection. Je suis enfin de retour après 4 mois d'absence, donc je compte sur vous pour liker cette vidéo. Mais juste avant, comme d'habitude, je vais offrir un cadeau à un abonné. Salut Youp Dark, alors dis-moi, quel cadeau as-tu choisi? Je veux le skin Dune. Et voilà, normalement tu as bien reçu ton nouveau skin à 1500 V-Bucks. Ah c'est bon, je l'ai. Mettez tous le code Coco, c'est le meilleur code. Je vous offre tous les jours un maximum de passes de combat et nouveaux skins de la saison 8. Donc dépêche-toi de mettre le code Coco. K-O-C-O dans la boutique Fortnite. Et action! Ok les amis, c'est parti! Après 4 mois d'absence, la banane folle est de retour! Et cette fois-ci les amis, nous allons inspecter un peu les nouveautés de Fortnite. La mise à jour qui a eu lieu je crois hier. Mais regardez-moi ça, mais qu'est-ce qui est devenu Fortnite? What the fuck? Les amis, je vous rappelle que ça fait 4 mois que j'ai pas lancé le jeu. Voilà, et en plus ma voix est devenue plus grave. Voilà, là vous avez en face de vous une banane qui est devenue plus mature. Ok, c'est quoi cette ville les gars? Il y a une ville carrément cube! Incroyable! Et bien sûr, la reine cube, la boss reine cube qui est au centre de cette ville incroyable. Notre mission aujourd'hui les amis, c'est de l'espionner tranquillement, même si elle est enfermée dans une bulle cosmique, bouclier astronomique. Nous allons l'espionner et nous allons essayer aussi de la libérer. Mais c'est magnifique, hein. C'est vraiment magnifique, hein. Là Fortnite vraiment ils ont tapé fort. Les amis, avant que la vidéo commence, enfin la vidéo a déjà commencé, je compte sur vous pour liker un maximum pour mon retour. Je vais essayer les gars de monter déjà sur la boss reine cube. Non mais c'est incroyable. Premier contact, attention. Ok, on saute. Ok, je peux rebondir sur elle. Oh, magnifique. Mais par contre, j'espère que je vais pas être bloqué. les gars, si je saute, est-ce que je meurs? Là est la question. Non mais c'est incroyable, on peut la voir. Hein. Oh non mais regardez-moi ça les gars. On dirait que c'est la créatrice des cubes en fait, tout simplement. Regardez, sur ses mains, elle est en train de sortir des cubes, elle est en train de créer des cubes, c'est incroyable, on peut la voir de plus près. Attends, mais elle parle les gars, je l'ai entendu parler. Attendez, aucun bruit, on l'écoute. Non mais c'est complètement incredible. Par contre je suis bloqué moi en fait les gars, hein. Comment je fais pour descendre d'ici? Comment je fais? Attends, un petit coup de marteau peut-être. Ok. Bon, on essaie de casser le bouclier cosmique. Vas-y banane. Vas-y, casse-moi ce bouclier cosmique. Ok, ça marche pas. C'est un bouclier qui a été créé bien sûr par les créateurs de Fortnite. On peut pas le casser aussi facilement. Mais où est la faille? Je ne sais pas bien sûr. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle est bloquée, elle est en train de méditer. C'est comme si elle médite sur son plan. J'espère que tu vas pas détruire Fortnite quand même, madame Reine Cube, hein. Bon, comment je fais pour descendre d'ici moi les amis? Si on saute. Ah ben non, ça me ramène là. Je suis bloqué. Et j'imagine bien que si je saute, je meurs en fait. Ah, je crois qu'il y a des sortes de pads en bas en fait. Si je saute, je vais pas mourir. Je vais essayer, attention. Reine Cube, je te laisse, j'ai des choses à faire. À plus tard, c'est parti, j'espère que je vais pas mourir. Allez, s'il te plaît. Eh oui, c'est un sol rebondissant. Magnifico. Ok, on prend des armes les gars. Bon, je vous préviens, je suis devenu complètement nul au jeu, hein. Ça fait quand même longtemps que j'ai pas joué. Mais je vais essayer de vous faire un gameplay pas mal. La convergence, d'accord, ça s'appelle la convergence. Des munitions toujours preneur, j'ai pas oublié mes petits réflexes. La petite mitraillette, ok, on met ça à l'attaque. Ok les gars, on est bien. On va essayer de faire un petit kill. Ah, il y a des popos là-bas. Je suis preneur des petites potions. Oh non, il y a quelqu'un. Burk. Bon, les amis, je suis mort. Allons voir de plus près cette reine cube en éditeur. Ok, les amis, nous sommes de retour, cette fois-ci en éditeur, pour mieux espionner la reine cube. Mais elle est magnifique. Elle est magnifique, le design vraiment est complètement stylé. Regardez, c'est de ça que je vous parlais. C'est comme si elle est en train de créer des cubes dans sa main. C'est vraiment la reine cube, quoi. Incredible. Attends, on va essayer de se mettre en bas pour bien voir son visage. Elle est vraiment, vraiment stylée. Son design est vraiment stylé. Bon, bien sûr, c'est sûr qu'au bout d'un moment, elle va se libérer de cette bulle énergétique qui la protège. Pour ensuite tomber dans la ville cube et la protéger. Ah mais oui d'accord, elle est vraiment juste en haut, en fait, du cube jaune quoi. D'accord, intéressant. Ouais, je pense que ça va être son spawn en fait, elle va tomber tout simplement ici. Et après voilà, bah, elle va protéger la ville. Peut-être même qu'elle aura une sorte de loot assez légendaire à protéger. En tout cas c'est vachement stylé, on peut retrouver les sortes, enfin les mêmes sortes d'inscriptions autour de sa bulle de protection que sur le cube. Je sais pas si vous voyez, regardez, ces écritures un peu bizarres, on peut les retrouver autour de la bulle de protection. C'est vraiment stylé. Bon après là il n'y a pas grand chose vraiment à observer, hein. elle bouge pas. Par contre je vais essayer de l'entendre, voir si elle parle, je vais augmenter le son les gars. Ah on l'entend rigoler quand même, hein. Ah ouais, ça fait flipper, on l'entend rigoler comme une sorcière. Non mais elle a un rire d'enfant quoi.
Ah, c'est trop bizarre. Incroyable. Ouais, elle rigole vraiment comme une enfant sorcière, quoi. C'est ouf. Bon, ok, les amis, on retourne en game. Et cette fois-ci, on va essayer de casser cette bulle de protection. Ok, les amis, nous sommes de retour. Et cette fois-ci, nous allons essayer, bien sûr, de casser cette bulle de protection autour de l'arène cube. J'ai looté plusieurs armes. Voilà, tout simplement. Je vais essayer de faire une petite construction jusqu'à elle. Et nous allons voir ça, les amis, de plus près. Je vais essayer, bien sûr, de casser cette bulle de protection. Allez, c'est parti. On crée notre mini skybase en direction de l'arène cube. On va essayer de se mettre à sa hauteur. Genre ici c'est bien je pense. Ok ok, on construit. On arrive à côté d'elle. Ok, magnifique. Nous sommes vraiment en face d'elle les gars. Ok, bon, on va commencer avec le pompe. C'est parti. Allez vas-y, casse-toi. Ok, ça fait quand même un petit effet de pixel qui se dégrade quand je tire. Bon, ça ne fait rien. Ça ne fait strictement rien. On va essayer maintenant avec le fusil d'assaut. C'est parti, dans la tête, let's go. Ok, intéressant les amis, intéressant. Bon, rien ne se fonctionne, on va essayer maintenant avec la mitrailleuse. Ah, quand même, hein, c'est pas comme si ça ne bougeait pas quoi, hein. On sent qu'il y a les impacts quoi, on sent que la bulle de protection prend des impacts, mais ça ne fait strictement rien quoi. Maintenant je vais essayer avec ces deux grappins, maintenant je vais essayer avec ces deux arbalètes, c'est parti. Bon, y a rien, hein. Y a rien à y faire les gars, vraiment. Ça ne fonctionne pas, on ne peut pas casser cette bulle de protection, on peut même pas construire là. Oh là, la dinguerie. Le tout pour le tout les gars, maintenant je vais tenter avec une cuisse de sanglier. Voilà, je vais lancer sur elle, on va voir sa réaction. Ok, bon, on réessaye. Ah, bon, la cuisse est restée en haut. La cuisse est restée bloquée sur le bouclier. Bon, ok, parfait. Voilà, c'est une offrande. C'est une offrande à toi, Reine Cube. Sois gentil avec moi dans les prochaines parties quand tu seras libéré. Je vais essayer de monter. Ah, on peut même pas monter là. Ah ouais, putain. Ah ouais, s'il y a vraiment un champ de protection, on peut même pas construire autour d'elle, quoi. Là, on peut quand même. Est-ce qu'on peut là? Parce que je vais essayer en fait de mettre un jump pad. Oh, oh, ok. Allez, stop-toi. Non, stop-toi. Mais non, arrête de rebondir. Je vais me bloquer sur elle. Ok, allez. Mais comment j'ai fait tout à l'heure pour rester bloqué sur elle? En fait, on n'est pas censé pouvoir rester bloqué sur elle. Je sais pas comment j'ai fait, les gars. Bon, je n'arrive pas, les gars. Je n'arrive pas à me bloquer. Bon, on va essayer de mettre le jump pad quand même. Y, attention. Allez, vas-y. Non, ça n'a pas fonctionné. Allez, vas-y, encore. Ok, non, ça n'a pas fonctionné, les gars. On peut pas mettre le jump pad. Bon, mais écoutez, je crois que j'ai fait un peu le tour des expériences autour de cette bulle de protection. Hein. Oh, des oiseaux. On peut tirer sur, incroyable. Bah écoutez les amis, si vous voulez d'autres expériences avec l'arène cube, avec cette bulle de protection, j'ai pas mal d'idées en tête. Vraiment, j'ai pas mal d'idées en tête assez épiques pour casser cette bulle. Donc si vous voulez une autre vidéo un peu plus basée sur ça, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires et bien sûr à liker, ça va m'encourager à faire d'autres concepts pour essayer de casser cette bulle de protection. Et vraiment, j'ai une idée incroyable, hein, vraiment que je pense qui va marcher. Voilà, je vous en dis pas plus, vous verrez bien. Si vous likez, ça va sortir très prochainement. Mais bon, je compte sur vous vraiment pour liker cette vidéo. C'était Coco, merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo. N'oubliez pas de mettre le code créateur COCO, K-O-C-O, dans la boutique Fortnite. Et je vous dis à très bientôt.